Bon, on va reprendre notre campagne. Alors, quel est le plan là? Parce que bon, on va pas se le cacher, on a un peu le cul entre deux chaises. Entre les sorciers, les sorciers du crépuscule ici, les chanteurs arbres du renne là-bas, ça fait du monde. Donc là, admettons, on cumule 6 et 4, 10, 14, 20, 26 ici, hein. Sachant qu'on a déjà 10, on monte très vite à 36. Il me veut un traité de paix. Ouais, t'es à l'autre bout du monde, je suis sympa. Ah, il n'y en a pas un qui est venu pour l'instant. On va accepter le présent du chaos. On va buffer ça encore. Peut-être qu'on va aller chercher l'aiguille de glace, tiens. Est-ce qu'on est pleinement refait ou pas? C'est ça. Non, on n'est pas encore refait pleinement. Il sort, alors le dernier DLC d'AoE, il sort en août. J'ai plus la date exacte, mais il sort en août. Je fais un giveaway aussi. Ah, ouh, il y a des lémures ici. Attention. Après, tu me diras, on a le gorgon qui peut les gérer. Ah, ils ont tellement de tireurs, c'est cancer ça. Je regarde un peu les troupes qui sont pas trop d'armes. Bah ça va, les Sylvains, c'est bon. À part leur infanterie, bien sûr, donc genre les... Mais les tireurs et tout, ça se gère facilement, quoi. Oh, ils ont des attaques magiques. Attention. Donc salut YouTube, bonjour à tous. On est parti pour cette seconde VOD. On va commencer à démolir les héros d'Ariel, donc l'histoire du crépuscule. Oui, moi-même justement, j'y ai pensé. Alors pourquoi pas avoir une clé pour moi gratos et une autre clé de ma poche. J'y ai pensé, je t'avoue. Je peux pas me mettre là, je suppose. Bah non, hein. Ah non, Kaiser, il peut pas se mettre là. Et c'est une bataille de passe encore. Oh mon Dieu. Bon, ils sont combien là-dedans? Alors là, l'idée, on va regarder un peu comment ils sont. Ils ont mis pas mal de dryades là-bas. Oh, là, on peut tellement le dégommer, lui. Il a perdu combien? Rien qu'avec le non-éclair, moins 5. Après, le haut 18, je sais pas ce qu'ils ont. Donc, on va essayer d'y aller. Hop! Parce que là, admettons, avec mes guerriers, mes archers là, je me mets là. Avec mon deuxième groupe, j'ai tenté de passer par ce côté. Le gorgon, il va venir là. Il faudra du déblayage de toute manière. Oh là là, Torox et Godan qui partent sur un karting, mesdames et messieurs. Est-ce que ça va être le strike? Le chef Mino, tu l'envoies là, admettons. Torox, tu l'envoies dans les dryades. Pas moyen de contourner par contre. Attention ici aussi. Les chiens poison, on va les envoyer là. Voilà, cassez-vous les dryades, rentrez chez vous. C'est bien, ils se focalisent sur Torox et le chef Minot. Ça fera l'affaire. Le Gorgon, on va l'envoyer sur le général tout de suite. Oh, la bêchère de Minotaur dans notre dos. Oh là 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 là, les minots qui font le boulot. Donc là c'est bien, les gardes sylvains sont en train de trinquer. Ici on en voit là. Par contre là les archers, là, il faut commencer à tirer sur les guerriers faucons qui sont une source de pénibilité constante. Je vais renvoyer aussi un petit... sauvage. Attention. En plus, ils sont bien tassés là. Boum. C'est une quinzaine de moins, tu me diras. Et là, ça y est, la panique s'insinue dans les rangs des Sylvains.
Les Sylvains qui sont en train de se faire massacrer, rentrez manger vos feuilles de salade, cordialement, Von Karstein. Ah, ceux-là, ils peuvent tirer en mouvement, je me rappelle pourquoi ils étaient chiants. Donc vous, allez par là, il nous faut un coup de main là-bas. Donc là, hop, c'est bien, on va poursuivre ici. On va repousser les Sylvains. Allez, cassez-vous les Sylvains, rentrez dans vos arbres. Ne faites pas chier. Les murs là sont en déroute, ça commence à fuir de partout. Là il faut essayer d'abattre ces foutus guerriers faucons. Attention, des murs se reforment ici. Là on va les refinir là. On utilise le poison. Voilà. Le poison qui fait ses petits dégâts comme il faut. La garde éternelle qui ne tient pas, qui ploie sous la pression. Par là, on est en train d'en terminer avec les derniers archers. On va revenir au centre avec les Centigores. Et là, ça commence à craquer. Bon, on a fait pas mal de pertes. En fait, les guerriers faucons, ce qui est chiant avec eux, c'est que, bah, à part les tireurs et peut-être un poil de magie, bah, pour les avoir, c'est la même merde. Là, on va tenter une autre nuée venimeuse pour tenter de tomber toutes ces dryades. À moins qu'il n'a pas envie tout court. Le Gorgon ici, vous là. Ça y est, là, les dryades s'est plié. On en fait du beau petit bois. Les archers sont reformés ici. Oups. Hop, là on y retourne, c'est pas mal du tout. Là, ils en ont perdu 2-3, c'est bien. Bon, par contre, le marbre, là, il est encore là, lui, sérieux? Ouais. Ah, ils sont résilients, les Sylvains. On peut pas leur reprocher. Hein. Ah, je crois que c'est terminé. On va encore se faire un autre marbre, juste pour le principe. Voilà, allez, cassez-le. Non, ça veut pas. Bon, dommage. Vous ne pouvez pas ériger une autre pierre des Hardes. Tant que vous n'avez pas réalisé. On s'en fout de ça, c'est pas la priorité. Pognon. Un autre défi terminé. Oh, les gores de renom. Est-ce qu'on peut réinitialiser le mouvement de Thorax? On peut le réinitialiser. On va rentrer. Voilà. Niveau 12 pour Thorax. Prémonition infâme, allez. On continue d'améliorer notre chance d'embuscade. Mitrandir, on va lui partir sur quoi? Oh. Efficace contre les armures et sur de multiples unités. Ça, c'est toujours utile. Kodan. Ah, t'as des bons trucs aussi. Ils ont vu le truc des Minotaurs, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le meilleur. Alors, Kodan, il y a 4 trucs qui peuvent être intéressants. Alors, je te demande quand même ton avis à minimum, puisque c'est ton minot, ton chef minot. Force de la terre. 5 de résistance aux projectiles, 23 d'armure pour les alliés à portée pour sur 30 mètres. Arthur Opiniate, sur 30 mètres, 15 attaques en mêlée. Le meilleur des bêtes. Chance de. Ça c'est plus pour les agents, donc je sais pas. Et lui, qui est pour moi, qui est vraiment pas mal, la grande et interminable Hard. Provoque la terreur sur les Minotaurs dans l'armée du héros. Et tu provoques la terreur aussi en tant que. Alors, les deux qui me plairaient bien en termes de potentiel, ça serait soit la Hardre Opiniâtre, soit la grande et interminable Hardre. Donc, je vais quand même te demander ton avis. Parce que, voilà, ça peut être intéressant. Ah oui, le fameux commissaire exécuteur, mais bien sûr. Je pense qu'on est d'accord sur ce point. Allez, c'est vendu.
Alors, est-ce que je peux te mettre des objets ou des suivants? Non, pour l'instant. Tiens, Mitrandir, je peux pas te mis quoi une amulette. Torox, il a pris une armure. Donc là, ce que je vais faire, je vais voir ce que je peux recruter. Alors déjà, la destructeur de la Drake Wild, oui. Voilà. Donc déjà, ça c'est fait. Je pense qu'au prochain tour, on va aller faire un petit peu de tourisme du côté du temple d'Adziat. Alors, combien il reste de villes au Sylvain? Ah, c'est la dernière. Ah, on va peut-être en terminer rapidement avec les sœurs. Hein. Non, on n'accomplit pas le rituel, malheureux. Ça, c'est le genre de mixlip qui peut m'arriver. On va continuer de monter les cadavres, les têtes sur des pics. Maintenant, on va passer aux cadavres empilés, ce qui remonte encore les froids par tour. Je vais retourner voir ce que je peux faire. Ouais, ça c'est pas mal. Un chef homme bête, ça pourrait être bien. Oui, est-ce qu'on garderait pas des points pour... Non, on ne dit pas commissaire exécuteur, on dit coach en motivation. La côte vampire est superbe cette saison, mon cher. C'est ça, mon du tourisme. Ça c'est bien, on pourrait avoir l'un des trois. Je pense que là, on a un cogneur comme Torox. Je pense qu'on prendra un des deux seigneurs mages pour combiner un peu. Essence de champion, punaise. Si j'obtiens ça, si j'obtiens ce truc-là, Codan, tu le prends direct. Fin d'attaque en mêlée, 10 de résistance. Et colérictilix, ce qui fait que tu vas augmenter, bah, tu vas te régénérer un peu. Et je te mets en combo, pire, avec la hache de la ruine de la Drakewall. Tu vas gagner 30 d'attaque en mêlée avec ces deux trucs-là. Tu vas être monstrueux. Donc maintenant, on va aller tenter d'aller chercher. Alors, on va essayer de les faire sortir, mais ça va être compliqué. Ils peuvent pas recruter pour l'instant. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller attaquer ici? Ah. Mais après, j'ai pas envie qu'ils s'emparent du truc, quoi. Alors, admettons, je me mets là, déjà. Victoire à la Pyrrhus. Et je perds un chien poison dans l'affaire. Après, j'ai envie d'affronter les sœurs. Ah, le DLC, franchement, les gars, vous n'allez pas le regretter. Hein. Moi, je vous le dis. Ils ont un grand aigle. Pff, ouais. Armure à 65. Ils ont une portée de cochon. Vous savez quoi? On va les assiéger. On va les laisser sortir pour voir. Je vois un peu leur réaction. Voilà, notre garnison ici, on est peinard. Et puis on les affaiblit, on les achève. Oh, ça commence à faire des alliances. Est-ce que je peux encore... Eh, il est pas loin du déchaînement sévère, la Torox. Attention. Ça peut être très bien, ça, si on l'obtient. Je sais qu'on va les affaiblir. Allez, on patiente, on les affaiblit. Et ensuite, on s'occupera de cet orc. Les mercenaires orgues ont changé de coin. Si tu devais... Bah déjà mon top 3 ça va être simple. Parti, hein, je précise bien. Ça va être Code Vampire Roi des Tombes. Déjà ça c'est pas très subjectif, vous me direz, parce que je suis un joueur mort-vivant. Et lui je pense qu'il rentrerait peut-être pas dans le top 3. Même si les hommes bêtes sont géniaux. Celui que je mettrais quand même, c'est celui avec Aikiklo et Tenoin. Lui serait quatrième, pour te dire. Donc là, on va bien monter encore. 16, 20.
En vrai, je pourrais abandonner la ruine là et la déplacer hein, quand il réfléchit. Voilà, il reste combien de temps là? Au prochain tour, ils commenceront à prendre des pertes. Et bon, on va faire ça. Affaiblissons-les un peu. Oxyotone est toujours en vie, donc ça c'est bon, c'est une bonne nouvelle, on va dire. Et là, on va y aller. À fond des ballons avec les hommes bêtes. Alors, je sais, certains vont dire, ouais, tu les as affaiblis, c'est pas bien. Nous, on veut voir des pros. Bah, écoute, chacun sa méthode de jeu. Là, au moins, on va pouvoir bien les dicheter, les elfes. Parce que. Alors. Allez, on rentre dans le tas. On y va. De toute façon, les elfes sont condamnés. C'est une. Ça, c'est certain. Alors, le gorgon, il va venir là. Les archers, vous allez venir là. Le chaman, il va venir là. Je pense que je vais le mettre sur un char, hein, tôt ou tard. Elles sont là, les deux, les sœurs du crépuscule. Attention. Allez, on passe au centre, plein centre. Allez. Here we go, here we go. Les minots, vous allez venir là. Bon, c'est de la garde à bouclier, enfin, j'en ai bien conscience. Mes centigores, ici, vous allez venir là-bas. On va faire un petit tour. Voilà. Oh, le chef minot sur le... Sur elle, là, sur la sœur. Allez, vite. Ah, mes chiens qui commencent à manger. Bon, ils sont un peu isolés, tu me diras. Mais bon, là, ça va commencer à se calmer. Le gorgon aussi. Oh là là, Kodan, je vais te surveiller parce que ça pue. Bon, ça va. Les loups sont barrés pour l'instant. Ah, ça y est, ça vient me harceler. C'est typique. Pourquoi ils se sont arrêtés, eux? Allez, viens taper là dans le dos, toi. Bon, ça va, je pense que tu vas tenir, logiquement. Tape la sœur, toi, tape la sœur. Ah, les elfes, ils sont redoutables, hein, même si bien affaiblis. Ça, on perd pas trop d'hommes, mais bon. Alors, allez. Bon, ça y est, ça commence à se barrer, c'est bien. Entrez chez vous. Circulez, il n'y a rien à voir. Bon, ça, t'as pris un peu cher, Kodan, mais c'est quoi? Par contre, Thorax, là, c'est mort. Toi, tape-moi sur ces trucs, sur ces chevaliers du grand cerf, ça va les calmer. Allez, viens là. Voilà. Tape-moi. Putain, ils craquent pas ceux-là. Ouf. Non, c'est bien, il y en a qui est tombé. Et ils sont que deux, mais ils se battent les bougres. Hein. Bon, ça y est, ça commence à craquer de partout. Vous par là. Voilà. Saleté de sœur du crépuscule. Elles sont redoutables. Hein. Faudrait que je fasse leur compagne aussi pour avoir les succès avec eux. Les elfes sylvains. Une promenade de santé pour l'instant.
Oh, génial. Sort du crépuscule vaincu. Extinction du crépuscule. Peu de choses sont immortelles, tout comme l'aurore signifie la fin de la nuit, le crépuscule, la fin de la journée. La vie des jumelles d'Ariel est également arrivée à son terme. Taux de reconstitution d'équipe plus 1 et puissance des tirs plus 10. Eux, ils vont être ravis. Temps de résistance au siège, allez. On va continuer de faire quoi? Hop. Et ensuite, si on mettra ça, là, on va faire enfant du chaos. Ce qui va faire plus 1 de rage B7 pour l'armée, 5% de portée de campagne, 10% de succès pour les actions des héros adverses, 25% d'autodéfense et un niveau de recrutement, ce qui n'est pas mauvais du tout. Bon, là je vais tout de suite me replier à la base pour régénérer Conan. Oh attends, j'ai vu un truc intéressant là. Ah, au niveau 16, on peut avoir le Razor Gore, bon. Hop. Conan, on va te mettre quoi d'autre? Allez, défense prodigieuse, tu vas augmenter tes dégâts perforants. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bah là, c'est good. Je pourrais recruter un autre gore, tu me diras, comme ça. Hop. Alors eux, les Razorgo, ils sont anti-infanterie et armure, mais bon. Alors, au niveau de la vitesse 77, et là où ils ont 105, les chiens gare à poison. En con. Ah ça ouais, tu vas pouvoir casser des bouches, mon cher Conan. Pour le moment, on est pas mal. Alors la question est de savoir, est-ce qu'on va chercher. Oh, ils ont recolonisé le pic tyran, c'est pas considéré comme mince. Donc je pense qu'après on va aller chercher l'antique sanctuaire de Quintex si on a le temps. Mais là il faut qu'on s'occupe des gobos là, des orques. On va se soigner, non. On va se soigner d'abord et après on va y aller. Les cris de Keshta. Hop, nouvelle recherche disponible. Désordre des choses. Oh, chance d'embuscade, ça je prends. Les centigores qui vont monter, provoquent la peur lors des embuscades, ça c'est fumé aussi. On va se faire des ces bonus les mecs. Ok. C'est quoi, on va se foutre là, on va lui déclarer la guerre. Ah, il a deux colonies. Allez, viens me chercher, toi. En fait, on tape de tout dans cette campagne. Il vient pas. Invoquer la bête, allez. Il a beaucoup de chariots à pompe, son armée à manger. Il a mis quoi? Plus d'armée au gobe, ouais. Ça va pas être pratique ça pour les chiens poison. Après les archers, on peut les chercher à la limite. Après Conan t'es anti-large de base, le Gorgon l'est aussi. Il a pas d'anti-large lui, hein. Donc nous on pourrait jouer sur non-monstre, effectivement. Ah, c'est une bataille de siège. C'est ça? Ouais, alors tu sais quoi, on va le laisser sortir. J'ai un peu le siège là, je vais éviter parce que je le sens pas. Qu'ils viennent. Ah, il veut pas venir. Ah, oh, c'est con ça. De gore et de bestigore. Ils vont gagner 10 d'armure. Bon, tant pis, on va les assiéger, on va les laisser crever s'ils veulent pas sortir. C'est comme ça, c'est le jeu. Si je peux mettre à fond le truc de Thorax pour les assauts, ça va être bon ça.
déchaînement est terminé. Alors, déchaînement. Putain, faudrait que j'arrive à le monter jusque là, mais il faudrait des trucs de malade, quoi. Ah, Maliki, qu'est-ce qu'il veut? Tu veux la paix? Bah non. Non, 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 tu t'as assez foutu de moi. Toi, tu veux la paix? Non. Ah, Tretch, il est là-bas. Tretch, il vient pour moi, c'est ça? Corruption chaotique, allez. Allez, plus de PV pour Kodan, plus il en a, mieux c'est. On va laisser le faire le char d'assaut. Art de sang, enfin, allez. Allez, hop, 3300 épée sanglante. Je crois que ça va t'aller, Kodan. Ça te donne quoi? Plus 12 d'armes. Ah non, c'est pour Thorax. Bon, on va la donner. On va te la donner, tu la mérites. Voilà. Je peux avoir des bestigeurs et les chefs hommes bêtes. Pour 8000. Char rasant encore lourd, c'est bien, ouais. J'ai dit, mais j'aime pas les enfants du chaos, perso. Ajouter quelques bestigeurs au sein de notre armée. Est-ce que tu aurais des gâteaux? Oui, il est là pour CH. Bon, attends, je vais te le montrer. CH Runic. Allez, priez sa créature. Admettons, je peux partir sur du bestigeur ici. Ouais. Là, je peux plus en avoir davantage. Mais un bestigeur, c'est pas inutile. Hein. Voilà. Au prochain tour, on va juste raser le temple de Kane, c'est bon. Hein. Oh, on peut savoir qu'il y a les Skaven ici. Regardez. Ah, je pense que. Alors attends, je vais vérifier quand même. Mais Tretch, pour moi, il a. Les 8 colonies, on les voit. Puisque ben moi je suis sûr il est là, il a tout ça quasiment. Je vais juste aller raser le temple de Kane pour le principe et je vais repartir. Alors Thorox, qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Allez, hop, plus de commandement. On va l'ouvrir là, on va aller ouvrir l'orc. Non, t'auras pas la paix, tu peux t'asseoir dessus. T'as fait le con, bah t'assumes. Allez, épargnons des guerriers pour gagner des thunes. Sentier des hommes bêtes. Ouh, il y a déjà une armée complète, d'accord. Oh, les gobos là, ils vont pas être costauds, ils vont être un peu costauds. Et là, let's go. Alors, il a quoi? Il a quelques boys or qui vont être un peu pénibles au début, mais globalement, je pense qu'avec les centigores sur eux, ça va vite tomber. Il a un sorcier, c'est ça qui va être chiant. Mais non, on va faire sortir tout le monde. Ah, il y a une forêt, ça va être chiant. Ah, alors d'où viennent les premiers renforts? Ah, mais ils viennent de là. On va les accueillir dignement. Bon, on va faire sortir les gros. Les motocyclistes, non je déconne.
Eh ben là, on a du minotaure de compète, tu m'excuseras. Il faut être vite agressif là. Là, l'idée, ça va être de les prendre à la gorge d'entrée de jeu. Alors. C'est un chef de guerre en plus. Allez. Il y a des lanciers gobelins, attention. Voilà, là ça va commencer à les calmer un peu. Par là, on va faire un petit contournement. Je sais pas combien ils sont, mais on va y aller. Là, on va commencer à préparer le pilonnage. Et là, grâce... Ici, on va pouvoir faire des gros blobs. Attention, charge à la pompe ici. Hein. On va venir renforcer là. Et quand tu veux pour le caster ton sort. Et vous pouvez pas tirer. Voilà. Ça va commencer à faire disparaître tout ça. On va ensuite faire ceci. Voilà. Allez hop. Là il va y avoir un gros craquage. Bon là le problème c'est qu'avec les arbres c'est compliqué. Oh la vache. Oh ils ont la wag, c'est vrai. Je l'avais oublié celle-là. Alors j'ai joué avec les orques de... Comment ils s'appellent ? Ouais, un peu de nettoyage dans cette marée. Voilà, c'est bien. Tape-moi ces chariots à pompe, Conan, allez. Oh, c'est quoi ça? On sait, mais ils sont de moins en moins nombreux. On les a quasiment... Le fait de les avoir pris à la gorge d'entrée, ça nous met plutôt pas mal, quoi. Toi, tu viens là. Là, il y a des... Oh, c'est pas des boys, ça. Allez, on continue le meulage. Allez, oust. Allez, volte-face, allez me chercher les boys orcs dans le dos. Les minots, pareil. Bah les trois, ils sont où les orques? Ils rentrent chez eux, c'est ça? Allons chercher nos ennemis. Et Torok, c'est un bon sprinter. Hein. Ah bah voilà. Allez. Let's go. Là, c'était la stratégie confinement. Qui avait payé d'ailleurs.
Bon, je vais pas vous la refaire, hein. On perd le chien en prison, tant pis. On récupère 1000 balles. Quand des bois ici, on va faire quoi? On va fusionner nos arcs. On va en récupérer un. Et je vais reprendre un chien à poison. Peau noueuse pour Kodan. 15 d'armure et 5 de résistance aux projectiles. Je te rajoute aussi de la résistance aux projectiles ici. Ça te fera 15% en plus. Ce qui est plutôt. Est-ce qu'il te fait une résistance pour le total de 28% quand même. Ce qui est pas mauvais du tout. Ça va être un char d'assaut, Kodan. Ni vu ni connu. Alors qu'est-ce qu'on pourrait augmenter? Les chiens à poison, c'est vraiment efficace, Midori. Ouais, ouais, clairement. En frappe de flanc, c'est une horreur, quoi. Le poison. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Hey, Torox. Je joue pas Torox pour rien. Les défenses pour les minos, ça augmente ensuite l'attaque. Allez, on va déjà partir sur ça. Les minos en renfort. Ouais, la résistance, ça lui fera du bien. Bah, je vais lui mettre quoi pour lui? Fourrure des ténèbres. Et ensuite, je lui mettrai, dès qu'il sera là, au prochain niveau, il aura le char à Razorgor, notre Mitrandir. Eh bien, Mitrandir, tu seras plus à patte. Félicitations. Ah, je peux encore mettre un point à l'essence surnaturelle pour la magie. Torox, embusqué. Encore. Oh, il va encore avoir des chances d'embuscade monstrueuse. Moi, je crois qu'il y en a un qui va disparaître avant l'heure. Voilà. Encore un défi terminé. Chaîne brisée. Pour le moment, je vais me mettre là. Et je crois que je vais me déplacer vers l'antique cité de Quintex. Je vais tenter de déclarer la guerre à Morati, comme ça je vais pouvoir me TP. À moins qu'il y ait quelque chose à l'aiguille de glace. Attends. Il doit y avoir quelque chose à l'aiguille de glace, sinon il ne me l'aurait pas mis, c'est pas normal. Je suis sûr que c'est Quick, pas Quick, c'est Trench qui est là. Bon, Torox, on continue de te buffer avec les minots. Et qui deviennent des bonnes machines à tuer, semblant de rien. Plus de points de vie pour Kodan encore. Je te rajoute aussi des points d'attaque, quoi. Allez, char à Razorgor pour Mitrandir. Bam! On se déplace. Alors, sentier des bêtes, on va aller où? On va aller là. Non, 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 attends. Non, il y a quelque chose là. C'est pas normal, il y a un truc. Il me l'aurait pas mis sinon. Alors. Oh! Et froid obtenu lors des batailles plus 20%, ça je prends déjà. En ici, alors, est-ce que je devrais pas débloquer un nouveau seigneur pour nous, tiens? Ou alors je débloque tout de suite une autre amélioration pour les pierres, ouais. Alors, je vais prendre Malagor, je pense. Voilà. Au niveau des améliorations, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ça, j'essaie d'aller chercher pour les hordes de niveau 2. Au niveau des unités, bah, je ne peux pas faire grand-chose de plus pour l'instant. On a fait une confédération. Ah, ils l'ont rasé. Mais ça a augmenté encore mes points. Donc, je pense que je ne vais pas traîner pour aller chercher le sanctuaire de Quintex.
consommer l'ordre, ça va donner temps de repos pour des sorts du domaine de la bête pour de moins 10 et les coûts en vente manger aussi. Ok, bon bah, ça va, le truc est pas trop fumé. Qu'est-ce qu'il veut lui? Casse-toi toi. T'es le prochain aussi, hein. Ah, il m'a vénère, ça y est. Tendance bestiale, let's go, on part sur du combat. Tous des alphes noirs là, c'est bien. Voilà. Alors, 32 points. 0, 0, 0. J'ai gagné 30. Votre force grandit, puissant seigneur. Marque de la ruine plus 42. Wow. Donc là on est plutôt pas mal. Voilà. Je pourrais avoir un autre Minotaur. Oh, les Minotaurs étaient anti-infanterie. Je me souvenais pas de ça. Alors sauf erreur de ma part, les Minotaurs n'étaient pas anti-infanterie avant. J'ai un gros doute là-dessus. Je vais en embarquer un quand même, comme ça j'en aurai deux différents. Alors, Codan, on va te mettre aussi des sens surnaturels pour être résistant à la magie. Tout le monde sera content. Donc là, je peux encore poser une pierre, mais je la mets trop. Faut une pierre qui vaille le coup, honnêtement. Hein. Si je vais à Nagaroth. 8 et 6, 14, 18, 22. Oh, elle peut valoir pas mal de points, elle. 8, alors 6, 18. 18 et 8, 26. Du coup, l'ordre est consommé. Je vais partir sur le tempérament virulence qui a augmenté les défenses et l'attaque en mêlée des centigores plus 5. Comme j'ai un couple de centigores, ils vont être encore plus meurtriers. Alors, Mitron, on va te rajouter quoi maintenant? Le Sigor, j'ai du mal en invocation. La rébellion animale, ça peut être bien contre une cible précise. Ensuite, là, je vais garder la pierre dans le boire de la sorcière, ça fait une bonne défense ici. Bon, même si c'est pas de la top qualité, vous me direz. Par contre, attends, avant de faire ça, je vais faire un truc. Pierre au niveau 3. Et ça coûte rien surtout, ça c'est fort. Je vais garder celle-là et je pense que je vais détruire ici. Hein. Ouais, je vais faire ça. J'ai envie de la péter, elle. Ça me sert plus à rien pour l'instant. Et ça me refera gagner un autre éclat, quoi. Voilà.
La vie va faire son chemin et nous on va monter au nord. De toute façon, je peux rien faire de plus pour le moment. Il faudrait que je m'occupe de Pawax aussi. Donc lui, il va recoloniser tranquillement le secteur. 8-8-8, ouais. Encore. J'ai combien de marques? En fait, il indique ça, c'est pas bien. J'ai 52 marques, j'ai fait déjà 10% du truc. La route est encore longue, vous me direz. On va les laisser se reconstituer un peu la zone et nous on reviendra plus tard. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu n'as pas besoin d'agression? Ok, vas-y. Le déchaînement est terminé, dommage. Je suis sûr qu'il y a des astuces fumées pour faire des cycles infinis de batailles, quoi. Non, c'est meilleur, colonise, laissons-les faire un peu. Au pire, ils s'entretuent, nous on en profitera. Dans le coin, ok. Parce que 8 et 6, 14. Ça ira pas alors en fait. Armure 10 pour les minotaures, ça je le prends obligatoirement. Ils vont monter à 45, 55 d'armure, ce qui est pas mauvais du tout. Là je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a par là, tiens. On a localisé Oxy, notre cible. Il est là, Oxy. On va peut-être se le faire pour cette première partie. Voilà. Admettons, Gronde. Je vais à Gronde. Je prends Gronde. Je rase tout. Qu'est-ce qu'il veut? Tu veux un traité de paix? Bah non. Ah non, Coco. À un moment, pas Kodan, hein. Je parle de Malekith là, il me déclare la guerre, bah non, non, c'est je veux pas, je veux plus, bah, c'est mort quoi. Alors là, on a de l'argent. Bah, justement, on va partir sur les haches de la ruine de la Darkwood. Bah, justement, je vais te les mettre à toi, Kodan, mais t'as une meilleure arme apparemment qui est plutôt intéressante. Je vais donner à Mitrandir, tiens, pour qu'il fasse un peu plus de dégâts. Plus des surchars, donc ça va le faire. Donc là, il y a un feu d'artifice à côté de Jean, alors que c'est pas le 14 juillet, enfin pas encore, bref. Vous étonnez pas si vous l'entendez. Il est là aussi. Oh, regardez-moi les points que ça peut rapporter ici. Alors attends. 4. Alors admettons 4 et 6, ça fait 10, 16 et 8, 24. 24 et 6, ça fait 30 points supplémentaires. Je pense que le sanctuaire à Gronde, il va être pas mal. Allez, puis. Oh, le garde-manger de Kalkengard. Plus 10 de charge pour les minots et déploiement en avant-garde. C'est bien ça. Justement, c'est ce qui nous manquerait pour eux. Un petit peu plus costaud. Ah, il est rentré dans l'armée, je l'ai vu.
Ah, quoi que non, pas encore en fait. On va tout de suite déclarer la guerre aussi. Je vais tenter de laisser venir vers moi comme ça. Perte moyenne, ça me fait perdre un archer, mais bon. Quoique. En vrai, un archer, je trouve que ça vaut le coup, quoi. Ouais, 308 le oxy, bien sûr. Pierre des hardes. Déploiement en avant-garde pour Autorox. Bah, c'est génial. C'est un bon bonus, ça. Franchement. Ajoutons un archer. Oh, on a deux pierres à placer. Alors, je vais mettre quoi? Une pierre comme ça. Ah, plus de points de vie encore pour Kodan. Et franchement, le bonus d'Oxy, là, l'avant-garde pour tout, pour son armée, c'est pas mal du tout. Par contre, là, il va me falloir des nouveaux points. Alors, je vais partir sur quoi? Les géants? Ouais, Minou, on a déjà. Alors, c'est quoi ça? Plus de corruption chaotique? Ah, ça, c'est bien. Plus d'objets. On va se reformer un peu. Et je pense que bah là, on va pas tarder. Alors, attendez. On va faire encore quelques minutes. Hop, on se met là. Au prochain tour, on va chercher la grande arène. On la rase. Et on va se retéper sur Ashrak. Qu'est-ce qu'il veut, Trot? Non, je te vois venir, toi. Par contre, celui qui veut prendre Gronde avec la garnison, c'est pas du top non plus, mais c'est quand même assez intéressant. Je lui souhaite bien du plaisir. Donc, je pense qu'on va se faire Siroxy au tôt ou tard. Donc, déjà. Bonjour. C'est le voisin. Ensuite, prochain tour, on va chercher Ashrak. Je vais refaire de la corruption ici. Alors, mutation, non. Ça peut être utile pour les chiens du chaos, effectivement, ça. Bon, les munitions, c'est toujours un bon bonus. Je vais quand même prendre ça aussi, un peu de défense pour les bestigors, ils le méritent. Ils font quand même un sale boulot dans l'histoire, c'est ça, faut pas l'oublier. Est-ce que je sais plus quoi te mettre au fur et à mesure. Alors, je te rajoute quoi? De la défense. Ah non. Comme ça, là, hop, au prochain tour. On va aller chercher 24 points. Non, 20 points supplémentaires, on va monter à 30. On sera 89. Oh là là, tu feras une pierre ici aussi. Tu peux avoir pas mal de points à Arcal et Arcaldra. Tu récupères encore des points. En fait, il faut se TP, je pense, à un moment. Donc je vais juste aller chercher Ashrak et ce sera bon pour cette seconde partie. Ah, c'est le clan de Mulder. Ok, bon, let's go. Hein. Cassons la bouche à des Skaven.
On se refait de l'or. Parfait. Meilleure défense. Ok. Bon bah c'est pas mal. On est en train d'accumuler des points en plus. Donc ce qu'on va faire, on va continuer de raser en fonction de ci et là. Oh là, il y a un beau truc. Il y a une autre pierre à poser là. Tu la poses ici, admettons. À Karouak. Tu la poses là. Tu récupères tout ça. Tu tapes à fond sur Oxy. Tu te mets bien quoi. Ouais, je pense qu'on a le plan. La prochaine pierre, elle est là, à Karouak. Faudra voir ce qu'il y a. Donc, je termine déjà à Thorak. Comme ça, pose la pierre à Karouak. On rase tout autour. On fait un nouveau rituel. On accumule les points. Donc, on va s'arrêter là pour cette fois, YouTube. J'espère que ça vous a plu. Bon, certains vont peut-être dire que j'ai du mal à utiliser la mécanique de Thorak. Ce qui est le cas, parce que je la découvre aussi. Je vais essayer de faire des efforts pour y parvenir. Allez, je vous dis à la prochaine YouTube, prenez soin de vous, ciao ciao.